Pour situer le contexte, on est le 1er octobre, pardon, le 1er novembre, je m'y perds, 2023. Le marché est en train de bouger. On est dans la période où BTC vient de, après un long ennui sur l'été, septembre, Bitcoin vient enfin de sortir du range par le haut. On est aux alentours des 35 000, je ne l'ai pas sous les yeux en live. Et puis on a décidé avec Cédric, ici présent, que vous voyez, qui est quelqu'un que j'accompagne en Swing Invest, qui est d'ailleurs le tout premier, l'anecdote, je ne sais même pas si tu le sais, je ne te l'avais jamais dit, mais je te le dis, c'est le tout premier qui a pris rendez-vous et qui m'a appelé, le jour où j'ai proposé l'accompagnement en Swing Invest. Ça devait être en novembre 2022, si je ne me trompe pas. Et on a démarré en début 2023. Donc en fait, le sujet du soir, c'est la gestion émotionnelle. Alors comme je disais à ceux qui sont présents, le but, c'est plutôt de partager les expériences, de dire ce que vous attendez par là. Est-ce que pour vous, c'est important dans les marchés financiers. Et puis, c'est pas de s'asseoir sur le divan, de faire de la psychanalyse des uns et des autres. On est là pour dire ce qu'on a envie de dire devant les autres ou pas. Et je trouve que c'est un sujet hyper important parce que même le plus désexpérimenté sur les marchés financiers est soumis à ce mot, émotion, et puis c'est important et c'est pas que négatif. Et je pense qu'on va en parler. Donc, je vais laisser la place à Cédric. Donc, Cédric va se présenter. Merci Benjamin. Alors super sujet, sujet qui moi me passionne. Moi j'ai une quarantaine d'années, donc je suis pas forcément vieux, mais je suis pas tout jeune non plus. Moi j'ai découvert ce sujet parce que je me suis aperçu dans le temps que j'avais vraiment une très très mauvaise gestion émotionnelle en fait de ma vie en général. Alors qu'en fait, les émotions, c'est une vraie qualité. C'est quelque chose qui nous permet de capter énormément de choses, énormément d'éléments. Ça nous permet d'avancer. C'est une vraie force, en fait. Mais on a énormément de mal à les maîtriser. On peut être aussi parfois hypersensible, ou en tout cas, les personnes qui ont une intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qui réussissent à gérer leurs émotions, ont très souvent des capacités nettement au-delà de la norme, quoi. Donc la gestion émotionnelle est primordiale, je pense, dans la vie, hein, de façon générale, et bien évidemment, encore plus, je pense que c'est encore plus accentué dans l'investissement. Voilà. Dans l'entrepreneuriat, c'est sûr, mais dans l'investissement aussi. Est-ce que dans l'investissement, tu penses que c'est par rapport au fait que c'est des sujets qui touchent à l'argent? Alors bien sûr, l'argent, c'est quelque chose de ouais, on appréhende très très mal l'argent. Déjà, le fait d'en avoir aussi beaucoup, c'est très compliqué. D'un coup, je pense qu'on n'est pas du tout préparé à ça. C'est un sujet qu'on n'aborde jamais. Alors que c'est un sujet qui est capital pour tout le monde et qui, je pense, finit. Au final, on a beaucoup de peurs qui sont très très ancrées là-dessus. Et la peur d'en gagner aussi, beaucoup. La peur de ne pas en avoir. Et quand on n'en a pas beaucoup, on a peur. Et quand on a beaucoup, on peut être aussi sujet à des peurs et à des envies de un manque de maîtrise, quoi. Ça, c'est une évidence, quoi. Ça, c'est une évidence. Ouais, c'est une évidence. Et moi, pour juste parler un petit peu de mon Oui, excuse-moi, je parcours, t'ai coupé, j'ai pas l'habitude des interviews, on a tellement discuté de ça, on a tellement passé notre temps à discuter de ce genre de sujet, donc. C'est un plaisir. Ouais, c'est un plaisir. Mais c'est vrai que moi, je suis arrivé à cette constatation parce que je suis arrivé un peu, entre guillemets, au fond du trou, comme on dit. C'est-à-dire que je suis allé plusieurs fois à l'hôpital à cause de ça, parce que, voilà, très mauvaise gestion émotionnelle. Donc, parce que quand on va au bout d'une mauvaise gestion émotionnelle, on a des problèmes physiques, on a des problèmes de santé. Et à l'inverse, maintenant que je les ai résolus et que je suis parti dans l'autre sens, quand tu les gères bien, eh bien, tu décuples tes capacités, voilà, d'intuition, de business, de capacité de réfléchir à des milliards de trucs en même temps, tout en étant focus sur ton objectif. Donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en suis venu à l'entrepreneuriat et à l'investissement, justement. C'est en ayant délié ces problématiques qui étaient physiques, en fait, qui étaient d'ordre vraiment physique. Parce que moi, j'avais un problème au niveau du plexus. C'est assez impressionnant. Donc, le plexus, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste ici. C'est le centre des émotions. Quand vous avez des douleurs ici, c'est que vous avez un problème au niveau émotionnel.
Et ensuite, on a. Donc, j'ai eu des problèmes aux poumons. Voilà, ça a déclenché énormément de problématiques chez moi. Et j'ai dû voilà, passer par la médecine traditionnelle qui ne m'a pas apporté de réponse là-dessus, puisque la médecine traditionnelle ne sait pas ce que c'est une émotion, en tout cas ne gère pas ça, ou en tout cas C'est ne sait pas difficile à expliquer, ouais. très compliqué à expliquer. Et il n'y a pas de médecin des émotions. C'est, on va t'orienter vers des psychologues ou des psychiatres, mais ça n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas du tout la même façon d'envisager les choses. Et j'ai dû me tourner vers des médecines un peu plus alternatives, des choses comme ça, qui m'ont apporté des solutions. D'accord? Alors, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, on pourra en reparler. Je pense que ce n'est pas la thématique d'aujourd'hui. Mais l'idée, c'est de comprendre que c'est des choses qu'on peut maîtriser. C'est des choses qui s'apprennent et c'est des choses qui sont extrêmement importantes et qu'on devrait apprendre à l'école. Ça, Est-ce c'est que tu sûr. penses que les gens sous-estiment l'impact d'une émotion bien ou mal gérée? Est-ce qu'ils sont plutôt, est-ce qu'ils plutôt, on n'a pas forcément réfléchi aux questions, hein, ça me vient ici. Est-ce que tu penses que la majeure partie des gens les subissent sans finalement s'en rendre compte et y mettre des mots dessus? C'est-à-dire, je le subis. Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a celui qui le subit totalement et qui n'est pas conscient. J'en parle souvent, ça, de la conscience, c'est un truc qui me plaît, hein, moi aussi. Donc, est-ce que tu penses qu'en fait, on peut classer les gens en plusieurs catégories? Alors, si, on peut classer les gens en plusieurs catégories. Est-ce que tu penses qu'il y a celui qui n'est pas conscient, qu'en fait, il est drivé uniquement, mais négativement par ses émotions et il n'en est pas du tout conscient? C'est-à-dire qu'il subit sa vie, il réagit un peu de manière, je dirais, animale et non contrôlée à tout ça. Et finalement, c'est pour ça que ben, dès qu'il y a un clap, il a peur. Dès qu'il y a quelque chose à bouffer, il y saute dessus. Et lui, il n'en est pas conscient. Et est-ce que tu penses qu'après, il y a celui qui est conscient qu'il les subit et qui, malgré tout, n'arrive pas à les gérer? Je trouve que c'est un sujet intéressant. Tu vois, je viens de l'improviser un peu. Ça, je trouve que c'est déjà assez intéressant. Quel est le plus vulnérable des deux? Moi, je pense peut-être avoir un peu la réponse. C'est celui qui commence déjà à réfléchir sur le sujet. Il a déjà fait un grand pas, bien souvent, dans un domaine, parce que tu ouvres au moins le sujet. Qu'est-ce que tu en penses, ça, de l'impact des gens qui sont pas conscients parce qu'ils refoulent le sujet? Lié à plusieurs choses, parce qu'on n'a peut-être pas voulu en parler à la maison à l'époque, etc. Bon, on va pas rentrer dans le détail de la vie des uns et des autres, chacun dira ce qu'il veut. Est-ce que tu penses, voilà, que certains ne sont même pas conscients à quel point leur prise de décision n'est drivée que par ça et de manière négative? Voilà. Mais c'est sûr, sûr. D'ailleurs, je pense d'ailleurs la grande majorité des gens. Après, c'est des histoires aussi de culture. Moi qui voyage aussi quand même un peu. En France, on a quand même du mal aussi beaucoup avec les émotions. Voilà, dans certains pays, on les exprime plus. Moi, je suis en Italie maintenant. C'est un peuple qui exprime beaucoup plus et qui met en avant ses émotions. Donc, il y a aussi des gestions ou des visions émotionnelles qui sont différentes. En Italie, tu vois, c'est même l'inverse. C'est-à-dire que si tu n'exprimes pas tes émotions, on va considérer qu'il y a un problème et justement, on va aller, peut-être même souvent aller chez les enfants, je vois ça, ils vont aller les emmener chez les psychologues, tu vois. Si l'enfant tout de suite n'exprime pas ses émotions, c'est qu'il y a un problème. En France, on a quand même tendance à bien les enfermer. Il y a une grosse, grosse problématique avec ça. Les enfants aussi à l'école, on a tendance à les submerger, par exemple, de devoirs. Dès qu'ils ont l'âge de 6-7 ans, et on les emmène vers la réussite, et les émotions sont complètement enfermées. En fait, on est déjà Est-ce qu'on peut fermé dire sur soi. refouler? Est-ce qu'on peut dire refouler d'entrée? Complètement, ouais. Et je pense que c'est même pas le mot refoulé, c'est-à-dire qu'on n'a pas, les gens n'ont pas conscience du tout qu'on est un corps, qu'on a des émotions et qu'on doit les exprimer. C'est indispensable. Si on ne les exprime pas, on arrive, comme moi j'ai vécu, au problème vraiment physique. On les subit, elles sont plus fortes que nous, au final. Complètement, complètement, complètement. Ça, c'est sûr et certain qu'on les subit, on les maîtrise pas bien, et c'est pour ça qu'on est, dès qu'il y a un mouvement de foule ou de panique, justement, on revient à la thématique d'aujourd'hui là. Dès que ça monte comme ça monte là en ce moment, bah ça y est, il y a une excitation, les gens sont amenés automatiquement à avoir le même type de sentiment en fait. On conduit les gens vers un comportement de masse, quoi. Et ça se voit dans les chutes et dans les baisses. Exactement, et j'ai l'impression, moi, que c'est terrible, hein, c'est qu'on a tendance à les répéter en fait, à répéter les mêmes patterns émotionnels. Et
Je sais pas si et ça se reproduit un peu partout dans la vie, je pense. C'est fou à quel point, par exemple, ça a monté, je me rappelle, à l'époque du BTC, quand il était revenu sur les 30 000. Cette sensation à nouveau que d'excitation, qui de suite retombe dans une extrême où on se fait calmer plusieurs semaines après, et à nouveau, alors que la dernière fois on s'était dit la prochaine fois j'essaierai deux, mais en fait on pense régler le problème en se disant la prochaine fois j'essaierai deux, alors que je pense que c'est bien plus compliqué que de dire la prochaine fois j'essaierai deux. Si je pense, moi je me suis beaucoup renseigné sur les paradigmes à un certain moment. Et j'ai l'impression que vraiment que s'il n'y a pas un travail profond de casser les paradigmes intérieurs, c'est pas nous qu'on, quoi. On a tendance, je pense, à se croire, à surestimer en se disant j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Bon, il y a j'essaierai de faire mieux, ou la prochaine fois, je ferai mieux, mais en fait, je me rends compte que, à nouveau, là, on tombe dans le même questionnement, c'est-à-dire comme si on ne tirait pas leçon de ce qui s'est passé. Alors, et tu penses que c'est par rapport à quoi? Ça, c'est par rapport au fait que finalement il faut un changement profond ou pourquoi on répète comme ça les mêmes patterns tout le temps? Alors, il y a une règle qu'on a du mal à intégrer, mais qui est pourtant est totalement vraie, c'est que tous les êtres vivants et toute la matière qu'on a autour de nous est connectée. Donc, quand on a un comportement de masse qui est euphorique, ça automatiquement, ça génère chez nous de l'euphorie. Et à l'inverse, c'est pareil. Même si on est voilà, le plus fort mentalement possible, même si on est préparé, mais l'idée de la gestion émotionnelle, c'est de ressentir ça et de comprendre que ça peut être dangereux, parce qu'on connaît les marchés financiers, par exemple. On ressent, on est tous pareils. Je veux dire, même les plus préparés, même quand on voit une courbe qui monte, bah, ça nous fait plaisir. On est Oui, c'est content, vrai, on bien est sûr, content, bien ça fait sûr. plaisir. C'est automatique. Et quand beaucoup de gens ressentent ça, puisque en fait toute la planète est en train de regarder ça, donc comme tout est connecté, on le ressent, en fait, c'est exagéré, quoi. Et pareil, quand il y a des chutes, quand il y a des cracks, etc. Et c'est plus le fait d'avoir soit des mécaniques, soit de la technique, comme tu dis. Il y a une part de technique, ça c'est important. Par exemple, se couper, c'est des choses toutes simples, hein, se couper de la news, comme toi tu fais, ou avoir des choses, voilà, moi j'ai des choses plus concrètes à faire aussi au niveau de l'alimentation. Il y a plein de choses à faire, tu vois, pour gérer tout ça, c'est-à-dire pour rester focus à un niveau de compréhension qui va t'aider, ou avoir des mécaniques, en fait, des protocoles qui vont t'aider à sortir de ça, ou à l'inverse, d'avoir des mécaniques, justement, c'est là où je rejoins ce que tu dis, c'est tu peux aller chercher à l'intérieur de toi-même pour modifier des schémas de pensée ou de réflexe pour te dire, tiens, quand je ressens ce sentiment-là, attention, ça veut dire que voilà, mon environnement m'informe que c'est l'euphorie, c'est dangereux. Voilà. En tout cas, mon expérience, voilà, des marchés financiers me dit que ça peut être dangereux. Donc, je commence à mettre en place effectivement soit une prise de profit, soit voilà, ma stratégie se met en place progressivement pour regarder les choses de façon différente. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce truc. Moi, personnellement, je ressens. En fait, j'ai l'impression que c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais qu'effectivement, qu'il y a ces tabous. C'est pas évident d'en parler. Mais effectivement, moi, personnellement, les émotions, ce que je ressens, c'est que c'est. Moi, personnellement, hein, je sens que c'est quand même quelque chose qui est puissant. Et je pense qu'il y a un côté où ça fait quand même peur aux gens de les affronter. Alors, parce que déjà, on cherche à les affronter. Moi, je sais pas, est-ce que c'est vraiment le bon combat d'essayer de les affronter? Ou plutôt que de travailler avec elles. Moi, j'en suis venu à plutôt les accueillir. Bon, et les accueillir, travailler de pair avec, pas essayer de les refouler parce que j'ai compris, je pense qu'elles sont plus fortes que moi. Et j'ai l'impression que. Comment dire? J'ai l'impression que c'est un sujet qui fait quand même assez peur parce qu'il est impressionnant, parce qu'il dépasse un peu quand même. Il y a beaucoup de gens qui se font dépasser par les émotions. Hein. Ça, moi, sur les marchés financiers, je l'ai déjà vu. J'ai déjà, moi aussi, perdu un peu le contrôle. Hein. C'est-à-dire que quand on voit une courbe qui monte ou qui chute très fort, c'est difficile de savoir est-ce qu'il faut fermer l'écran, est-ce qu'il faut quand même essayer de contrôler le moment, est-ce qu'il. Alors, moi, j'ai quand même aussi, on en a parlé la dernière fois, j'ai l'impression.
personnellement qu'une partie du remède aussi, même si on en aura toujours, ça reste d'essayer de monter en compétence, en skill pour maîtriser le sujet quand même. Le sujet qui nous soumet aux émotions, c'est-à-dire que je trouve que c'est déjà. J'ai pris la dernière fois le parallèle avec quand je conduis dans une ville où je connais pas du tout. Bien souvent, même si je sais conduire, je sais que je vais m'énerver beaucoup plus vite ou je vais un peu paniquer un peu plus vite si je suis dans des bouchons, si je me fais klaxonner, si je sais pas s'il faut à la droite, à gauche, etc. Si je connais pas la ville. Donc, je dis pas que je ne stresserai jamais, mais par contre, quand je suis dans un environnement inconfortable, que je ne maîtrise pas, j'ai tendance, alors je sais pas si c'est normal, si c'est que moi, ou si c'est général, ou si c'est normal, tu vois, par exemple, je sais pas, est-ce que c'est la normalité aussi, je ne sais rien. J'ai l'impression que quand on maîtrise un sujet quand même et qu'on a une stratégie, ou qu'on a une maîtrise de l'environnement, le bouchon pour que les émotions surgissent va être quand même plus loin. J'ai l'impression qu'on pourrait faire peut-être le parallèle avec l'expérience dans un domaine, quoi. Or, c'est pas parce qu'on est expérimenté Alors, c'est pas parce qu'on est expérimenté non plus que finalement on n'aura plus du tout d'émotion. Il y en a, ils ont 20 ans d'expérience dans un domaine et ils sont toujours beaucoup plus incontrôlables que des gens qui sont plus débutants. Est-ce qu'on est différent au niveau des émotions? Voilà, c'est une question. Est-ce qu'on a des prédispositions déjà à être quelqu'un qui est plus émotionnel que quelqu'un d'autre, ou est-ce qu'on a à peu près tous le même terreau? Selon toi, hein, si tu as la réponse, peut-être que c'est un sujet qui est difficile, hein. Est-ce qu'on a le même terreau tous de base, et c'est le cheminement de vie qu'on a eu qui fait qu'on a bloqué à des endroits et qu'on a développé un peu plus, qu'on a laissé passer plus, ou c'est vraiment quelque chose qui est difficile à gérer parce que c'est aléatoire en fonction des gens? Question, ça. Ouais, je sais pas si on a la réponse d'ailleurs, hein. On n'a pas préparé les questions avant, donc. Après, je rebondissais juste avec ce que tu as dit, beaucoup de choses là. Ce que tu disais au Ouais, début était vraiment bien. ouais. Je pense que quand la notion d'expérience, pour moi, elle est beaucoup plus simple que ça. Pour moi, c'est le fait d'avoir vu que dans certaines situations, eh bien, on n'avait pas la nécessité de stresser. Parce que comme on l'a expérimenté, on l'a vu, on sait qu'on peut le faire, que ça se passe bien. Donc, comme notre niveau de stress, en fait, il va impacter notre capacité à recevoir des émotions. Quand on est très stressé, on est incapable de savoir ce qui se passe autour de nous. Nos capteurs émotionnels sont complètement bouchés, tu vois. On ne reçoit plus rien, on n'émet plus rien. Voilà, le stress est là, notre corps est paralysé. Souvent, on a cette notion-là, je suis paralysé, tétanisé. Parce que le niveau de stress a complètement bloqué l'ensemble de notre corps, donc on ne peut plus ressentir d'émotion. Et quand on a de l'expérience, bah c'est qu'en fait, on s'aperçoit que c'est comme une avancée dans le noir. Bah en fait, non, on s'est aperçu qu'on a mis de la lumière sur des choses qui étaient noires en fait, au départ et qui nous faisaient peur, tout simplement. Et l'expérience, c'est ça, c'est de mettre un pas en disant c'est comme un cycle en crypto. Bah, une fois que tu as vécu la grande baisse, la grande chute et la grande hausse, bah déjà tu as vu tout un cycle. Donc déjà tu es beaucoup plus serein parce que tu te situes après dans un cycle. T'es toujours vivant, t'es pas Tu mort. comprends que ça se passe bien, que là tu as stressé là, mais que tu as déconné en fait, que ça servait à rien, mais c'est pas grave. L'expérience de la vie au sens large, c'est ça aussi. C'est un peu vaincre ses peurs. Et la vie te montre tous les jours que tu te fais toujours une montagne de choses qui, en fait, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe pas grand-chose, tu vois. Oui, bien sûr. Bien C'est sûr. qu'une image de voilà, c'est vraiment, on a un imaginaire. C'est comme le noir, on a toujours la peur du noir, la peur de se balader en forêt quand il fait noir. Bah, tu te rends compte, tu le fais une fois, c'est bon, ça se passe bien. Ah, tu l'as intégré, quoi. Non, c'est vrai, ouais. C'est-à-dire que tu te rends compte qu'effectivement, il y a beaucoup de conceptualisation et de création mentale autour de quelque chose et qui finalement, regarde, la chute qu'on a vécue il y a quelques mois, là, de 30 000 où on est revenu aux 25 000, bon, mais là, ça y est, est-ce que ça valait le coup de, à ce point-là,
À ce point-là, se dire oui, mais et si, bon, voilà, ça y est, on est revenu, et au final, on ne sait pas, on aurait pu ne pas revenir. Hein. Justement, en partant de ça, en parlant de ça, en disant je sais pas, on aurait pu ne pas revenir. Ouais, le premier sujet, c'était moi, j'invite les gens quand même à regarder, avec du recul, à quel point ils se sont posé des questions, et finalement, qu'est-ce que ça a changé, et surtout, qu'est-ce qu'ils ont mis en place comme action. S'ils n'ont rien mis, les questions, elles sont inutiles en fait, à part être néfaste et uniquement jouer contre toi, à rien du tout. Il aurait mieux valu presque éteindre le PC, quoi, et plus regarder pendant 4-5 mois. Si c'est pour pas en tirer de conclusion, ça sert à rien de se poser trop de questions. Voilà. Ça, c'est la première chose. Le PC, c'est déjà une action, tu vois ce que je veux Oui, dire? voilà, bien sûr. Bien sûr. Et la seconde chose, moi par exemple, c'est quelque chose que je fais personnellement. J'en viens à me. Et c'est ce que j'utilise aussi beaucoup dans l'investissement et dans ce que j'essaie de transmettre aux gens. Hein. J'essaie de leur dire qu'en fait, la décision ne se juge pas au futur que finalement on ne maîtrise pas le lendemain. La décision se contextualise dans le moment où je la prends. C'est-à-dire que au moment où je dois prendre une décision, c'est pas. Puisque demain je ne sais pas ce qui va se passer, je ne peux pas le contrôler, entre guillemets, je le subis. Il y a une histoire de lâcher prise aussi là-dedans, hein, de comprendre que le seul truc qu'on peut faire, c'est écarter, prendre une décision en mesurant des risques, hein, même dans la gestion des émotions. Hein. On mesure des risques très rapidement, on finit par prendre une décision, mais au moment où on prend la décision, on doit accepter que ben, c'est demain qui décidera en fait. Donc déjà, ça c'est un grand pas. Hein. C'est pour ça que j'essaie de ne pas parler de vouloir prévoir toujours l'avenir, mais plus de contextualiser maintenant. Avec les éléments que j'ai sous la main, comment je peux décider? Moi, un truc qui m'a beaucoup aussi aidé à une époque, c'est de me dire, au bout d'un moment, de dire quel est le pire qui pourrait m'arriver? Et finalement, quand on se pose cette question-là, quelque chose qu'on croyait être terrible, en fait, c'est pas grand-chose, en fait. Hein. Le pire qui aurait pu nous arriver quand on était à 30 000, c'était de retomber à 20, voire à 15. Et alors, en gros, à quoi ça sert, je me dis, de rentrer dans le déni si ça doit arriver? Si ça doit arriver, est-ce que je dois avoir peur que ça arrive? Ou si ça doit arriver, je dois plutôt être prêt à ce que je vais faire dans le cas où ça arrive. C'est de la gestion de risque, mais au final, c'est un peu de la gestion des émotions aussi. C'est-à-dire accepter que ça peut arriver et pas de le bloquer, encore une fois, pas le refouler, le bloquer. Ça peut arriver, et si ça arrive, qu'est-ce que je peux en tirer de positif plutôt qu'avoir peur que ça arrive? Voilà, on en revient à la peur. D'ailleurs, la peur, c'est. Je pense que c'est une émotion majeure, Bien peur, sûr. euphorie, c'est les deux. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses de ça, de déjà d'imaginer une bonne fois pour toutes de se confronter au scénario du pire, qui est finalement pas grand-chose pour un autre. Hein. Des fois, notre scénario du pire à nous, t'en parles à quelqu'un, c'est ça ton scénario du pire, il te fait peur, c'est ça qui te fait sérieusement peur. Et toi, tu dis oui, en fait, juste d'en parler, de l'affronter, des fois, tu te rends compte que relativement parlant, je veux dire, tu bouffes, t'es pas mort. Qu'est-ce que c'est qui fait peur au final, quoi? De revenir à 15 000, et alors? Au final, et alors, quoi? Et là, je suis d'accord avec toi. Si tu prépares après des stratégies en conséquence, effectivement, genre un bon money management est déjà suffisant. Si tu gardes des billes, si jamais ça redescend, voilà, tu es content de te repositionner, de te renforcer. C'est pas très compliqué à mettre en place, hein. Mais je pense que il faut l'avoir vécu. Il y a vraiment une histoire de vécu, quoi, qui est très importante. Parce que ne pas vivre un gros crack, enfin, c'est important de le vivre. Je pense que c'est important que ça rentre dans ta chair et à ce moment-là, tu passes quand même vraiment un cran. Parce que tu peux te l'imaginer, tu peux te préparer, mais on sait toujours que le présent et que la réalité est toujours différente. Tout le monde l'a. Effectivement, Ouais. le bullrun qu'on va vivre là, vraisemblablement, ne sera jamais totalement identique à ce qu'on a vécu, bien évidemment. Non, probablement non. Tu Ouais. vois? Bien sûr, il y a des cycles, il y a des patterns, mais Non, ça sera pas pareil. C'est sûr que ça sera pas totalement pareil. Pas pareil dans le timing, ça c'est sûr. le présent, c'est one shot, donc tu n'as pas de tu ne peux pas voilà, ni revenir en arrière, ça n'a pas d'intérêt, voilà. Alors tu peux revenir en arrière pour étudier, pour faire des stratégies dans le présent, on va dire, mais et puis comme tu dis souvent, imaginer le futur, bon, c'est très compliqué quand même. C'est une vraie question. Hein. Est-ce que moi, c'est une question que je me pose aussi des fois. Est-ce qu'il ne faut pas être confronté et faire l'erreur au bout d'un moment
Après, il faut pas qu'elle soit fatale. Après, qu'est-ce que ça veut dire fatale aussi? Celui qui veut se relever, il se relève tout le temps. Qu'est-ce que c'est qui pourrait arriver de pire en investissement? C'est de peut-être de perdre tout le capital. C'est ça aussi, tu vois, c'est un vrai sujet. Je me disais à quel point c'est bien de laisser tomber les gens dans la gueule du loup, quoi. C'est un peu comme les enfants, tu sais. Je veux dire, est-ce qu'il faut pas gérer le risque aussi? Bon, est-ce que c'est bien de pousser un gamin de 10 mètres de haut pour qu'il voit ce que ça fait de tomber, ou est-ce qu'il faut le laisser tomber? Tu vois, c'est un peu ces trucs-là. Moi, je me suis très longtemps posé la question quand j'en parle aussi sur la chaîne YouTube et tout. Il y a des fois, je me dis, bon, mais ceux qui ouvrent pas les yeux, ce sont ceux qui sont pas prêts. Et tant pis, en fait, est-ce qu'il faut réellement vouloir les sortir de là, ou est-ce qu'il faut que tant pis, Non, ils se après, prennent la il gamelle, faut quoi, je le sais prévenir. pas. Il Très faut bonne le question. prévenir. Pour moi, il faut le prévenir. Il faut lui dire les risques qu'il encourt. Mais après, s'il a envie de les prendre, il les prend. Je peux prendre un exemple tout simple. Tu vois, mon filleul, moi, je bricole beaucoup. Et donc, il a toujours bricolé avec moi. Et je lui ai toujours dit, la visseuse, les forêts, attention, les forêts métal, ça taille beaucoup. Attention, faut pas les prendre. Quand ils sont montés sur la machine, faut pas le toucher, le forêt. Quand t'es un gamin, ben t'es un gamin. Il était à côté de moi, j'avais la visseuse posée à côté avec le forêt, il a pris le forêt dans la main, il a fait tourner. Bien sûr, ça rate un peu de peau. Hein. Mais comme je l'avais prévenu, tu vois, j'ai juste eu à le regarder, je suis allé le soigner, et il a rien dit, tu vois, il a pas pleuré, il a assumé. Donc, pour moi, c'est l'essentiel, c'est de prévenir les gens quand tu as de l'expérience, hein, de prévenir les gens, de les informer. Et après, il fait ce qu'il veut. Et s'il ne comprend pas une fois qu'il est prévenu, c'est que Le c'est déclic mort. doit venir de la personne, Cédric, au final. Le déclic, est-ce que tu peux forcer le destin un peu avec des gens qui... Ou est-ce que c'est aux gens de se réveiller eux-mêmes, en fait? Ou est-ce que c'est un peu des deux? Tu dois semer des graines pour qu'ils... C'est un vrai débat aussi, hein, d'essayer de persuader des gens, de vouloir les faire sortir des fois de leur matrice, un peu comme on dit, c'est un peu le mot à la mode, mais... Non, je suis d'accord avec toi. Et surtout, c'est un sujet qui vient. C'est marrant, vous avez parlé des enfants, mais je pense que ça vient très facilement aussi quand on a des enfants ou quand on gère des enfants. C'est entre voilà, les protéger du danger apparent ou les éduquer à gérer le danger ou voilà, savoir. On les empêche d'amonter un arbre en leur disant c'est dangereux ou on les laisse avec le risque qu'ils tombent, mais comme ça, ils vont apprendre. Ça, c'est le grand sujet, quoi. Mais je pense que plus on nous laisse tôt de l'autonomie à faire les choses, plus on apprend vite et moins on se casse la gueule. Mais c'est compliqué à mettre en place, hein. Et à l'inverse, plus on protège les gens, plus on les empêche de faire des choses, ou on les met dans un système très protectif, plus ils ont de risques de franchement se casser la gueule un jour. Et ça, c'est marrant. Moi, j'ai des exemples tout bête dans des parcs avec des parents. Moi, je suis quelqu'un qui laisse faire les enfants au maximum. Après, je sais pas si c'est bien et pas bien encore une fois. Pas de, voilà. Parce que moi, c'est mon tempérament. Moi, j'ai toujours voulu faire ce que moi j'avais envie de faire. Et on avait beau me dire le contraire, j'aurais quand même fait. Moi, je fais partie de ces gens-là. Et voilà. Bref, c'est comme ça. Moi, je préfère me casser la gueule et apprendre. Mais c'est mon tempérament et c'est ma vision de la vie, quoi. Et très souvent, je voyais des mères dire: Attends, ne monte pas à l'arbre, qu'est-ce que tu fais là? Non, arrête, au secours! Sans arrêt. Et après, 10 minutes après, la dame parle avec une autre maman, et donc elle quitte des yeux son fils pendant 2 minutes, et là, vous pouvez être sûr que l'enfant monte et l'enfant tombe. Voilà, et l'enfant pleure. Et donc la maman arrive en criant: Je te l'avais dit, tu vois. Donc c'est marrant parce que. C'est le fait d'interdire et d'empêcher qui a créé en fait l'accident. C'est complètement dingue, mais c'est en fait on se conditionne les uns les autres et en voulant bien faire, souvent on fait mal en fait. C'est ça qui est très compliqué, c'est pas marrant comme c'est. Et C'est justement là où tu te trompes. La mère, pour moi, ne lui a pas dit. Elle a interdit. Alors que peut-être elle aurait dû juste lui expliquer qu'en montant, il pouvait tomber et se faire mal. Dans ce cas-là, l'enfant faisait chaud comme toi. Alors que là, dans ce que tu as dit, la mère lui a dit: Ne monte pas à l'arbre. C'est une interdiction. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est Et ce type le. de personne, elle a tellement
éduquer depuis le début de sa vie cet enfant sous cette forme-là, À interdire sous toutes les cette formes. façon d'interagir, enfin de vivre, que même si moi, par exemple, je serais allé voir l'enfant, je lui aurais expliqué, il n'aurait rien compris. Parce qu'il Tout est à fait. tellement conditionné à l'interdiction, le fait de ne pas faire, de ne pas faire, qu'il a envie de faire, en fait. Il y a une espèce de réaction. Et en fait, c'est un enfant qui n'est pas ouvert, tu vois, à l'explication. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que on se rend compte que c'est un sujet très complexe parce que du coup, ouais, du coup même dans l'investissement, on n'a pas le même vécu les uns et les autres liés à l'enfance et du coup on part pas déjà avec les mêmes angles d'attaque. C'est-à-dire que pour régler le problème de un, il faut déjà qu'il veuille se poser ces questions-là. C'est là que ça devient assez compliqué, technique, et que je pense qu'il n'y aura pas de recette aussi à appliquer pour les uns et les autres, parce que je pense qu'on n'a pas tous le même vécu. Et les émotions, je pense qu'elles se. Forcément, elles viennent de quelque part. Alors on peut les généraliser tous, la peur, mais au final, s'il faut, moi, la peur que je connais, c'est pas la même que quelqu'un d'autre connaît, quoi. C'est assez subjectif comme sujet, et c'est pour ça que je pense que ça doit être traité au cas par cas. Et c'est pour ça que c'est si complexe aussi à gérer, quoi. Parce que des fois, on sait même pas d'où ça vient. Effectivement, juste cette interdiction de monter à l'arbre, ça va se traduire sur le marché, par exemple, peut-être, hein, j'en sais rien, quelqu'un qui a cette interdiction de décider de prendre à un moment donné une décision d'achat. À tous les coups, ce mec-là, le jour où il prendra une décision d'achat, il va l'acheter sur le top, quoi. Parce que c'était prédestiné à ce que c'est interdit de rater. Et forcément, cette personne-là, je pense que c'est un peu philosophique ce que je dis là, mais je pense que c'est comme cette personne-là, depuis toute petite, c'était interdit pour elle de rater. Elle va être tétanisée par l'action et finalement, elle va finir peut-être par interagir. Quand le consensus global est d'accord pour dire que c'est le moment d'acheter. Mais le problème, c'est que, parce qu'il aura l'autorisation un peu de ses pairs, et finalement, quand il va acheter au top parce que tout le monde est d'accord que c'est là qu'il faut acheter. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je vais un peu loin peut-être, mais. Non, mais je suis d'accord avec toi, c'est sûr. C'est terrible de voir le conditionnement qu'on a rien qu'à l'école ou dans notre éducation. C'est impressionnant. En fait, l'idée aussi, c'est qu'avec les émotions, il faut réussir à comprendre que c'est vraiment notre allié. C'est ça la chose. Mais comme on les travaille tellement pas, tellement peu, comme on les enfouit, on les cache, dès qu'il y a dès qu'on s'emporte un peu, on dira, excusez-moi, je me suis emporté. Non, mais t'excuses pas. Je veux dire, il faut exprimer tout ça, c'est très important. Et plus on les fait ressortir, plus on les écoute, et plus on est attentif à ça, et plus ça guide nos choix, parce que c'est ça qui est important, c'est de comprendre que ces émotions doivent guider nos choix. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut partir dans tous les sens et à la moindre intuition. Voilà. Mais au final, c'est un peu ça l'idée, parce que plus on écoute ça, plus on va. C'est comme un outil, en fait. Plus on écoute ça, plus on va peaufiner ça au fur et à mesure. Et comme aujourd'hui, on ne le travaille pas du tout dans nos sociétés, en France en tout cas, et ben, dès qu'il y a la moindre émotion qui sort, ben, ça part dans tous les sens. Et Et ça, c'est. rationnel, les gens ils entendent que ce mot, je l'utilise beaucoup d'ailleurs, hein. Pourtant je suis quelqu'un de assez irrationnel, mais j'utilise beaucoup rationnel, je pense que les deux couplets ensemble sont puissants, et comprendre qu'en fait ils sont étroitement liés, c'est pas rationnel contre émotion, c'est ensemble en fait, on peut aussi Ça, décider c'est de la rationnellement rationalité. grâce aux émotions. C'est ça, c'est de la rationalité dans l'irrationalité. Voilà. Ça, c'est important de le concevoir ou de le développer, peu importe à l'âge où on est, on peut le travailler. Et ça, c'est un vecteur très, très puissant d'évolution personnelle et d'évolution de vie, même de façon générale. Et bien sûr, sur des décisions. En paix, tu vois ce qu'on dit, quand tu prends une décision, comme je disais tout à l'heure, tu prends des profits, voilà, tu te dis même si ça peut remonter, mais il faut que tu sois en paix avec toi-même. Exactement, ouais. Donc ça veut dire que quand tu prends la décision, tes émotions sont, enfin, tout est cadré, quoi. Voilà, Elle est prise, faut ouais. pas paniquer parce que ça monte ou ça descend après. Faut être content d'avoir décidé quelque chose. Dès lors qu'on a décidé, qu'on a tout mis, toutes les billes, qu'on a tout mesuré, qu'on a essayé de tout gérer, on peut pas tout gérer. Dès lors qu'on a pris la décision, c'est bien. On est passé à l'action, on l'a fait.
Et ça sera un apprentissage parce que dans tous les cas, on pourra tirer conclusion de ce qui s'est passé ensuite. Parce que pas décider aussi, ça amène l'immobilisme, quoi. Les gens, ils décident pas, ça monte. Et ils disent, ouais, mais si je vends maintenant et que ça continue à monter. Et ouais, mais si je vends maintenant. Et ouais, mais au bout d'un moment, ça chute. Et c'est terrible parce que combien de fois, bon, moi déjà, je l'ai vécu parce que je suis pas parfait. Et puis, c'est terrible parce que tu te dis. Je trouve que, je ne sais pas si tu te rends compte, si tu vois ce que je veux dire, le dégât psychologique, le cercle vicieux de répéter les mêmes erreurs tout le temps. Tu te dégoûtes à toi-même hein, au bout d'un moment. Parce que tu vas pas le faire, la fois d'après ça se reproduit, tu refais la même chose, tu refais la même chose, et en plus il y a une histoire de culpabilité qui rentre là-dedans au bout d'un moment. Tu commences à te dire, putain, mais et c'est terrible de rester là-dedans, quoi, d'être enfermé dans ces boucles, en fait, hein, ces boucles émotionnelles qui restent tout le temps. C'est vraiment, c'est un sujet très, très difficile, quoi. Ouais. Et puis ces boucles émotionnelles, elles sont perpétuelles parce qu'au niveau émotionnel, on est resté au même niveau. On n'a pas fait évoluer son niveau de compréhension émotionnelle, donc on revit les mêmes choses. Ça, c'est assez impressionnant à regarder. Et alors ça, c'est un peu du développement personnel, ce qu'on appelle développement personnel, Oui, mais c'est mais partie du c'est jeu, très, hein. très, très important dans toutes les sphères de la vie. Et c'est vrai que la seule façon radical, on va dire, de casser cette rythmique, c'est d'être dans l'action, dans l'expérimentation. C'est ce que j'étais en train d'y penser, ouais, justement. C'est-à-dire de se dire, bon, j'essaye. C'est comme un enfant, moi je suis toujours fasciné par ça, mais comme un enfant qui apprend à marcher. Combien de fois il est tombé avant d'apprendre à marcher? C'est vrai. Peut-être 100, 200, 500 fois. Mais on voit bien, au niveau émotionnel, les enfants ne sont pas encore, on va dire, au même stade que les adultes. Mais à aucun moment, l'enfant, dans sa tête, il a des facteurs bloquants. À aucun moment, il se dit, oh putain, je suis Oui, tombé, j'arrête. Non, j'arrête. mais c'est vrai. Je suis tombé 3 fois, Oui, j'arrête. parce qu'il n'a pas encore de concepts qui sont ancrés dans la tête. Non, lui, tac, il sait qu'il faut marcher, la vie, c'est comme ça lui donne de l'énergie, il y va, il y va, il y va. Donc l'idée, c'est d'essayer d'avoir cette même perspective, en fait. Et effectivement, bah, on peut tomber 2, 3, 4, 5 fois, 50 fois, mais à un moment donné, on va y arriver automatiquement, en fait. Est-ce que justement cet immobilisme, c'est pas la mort, entre guillemets, l'immobilisme des gens qui décident pas, qui passent pas à l'action. Moi, je trouve que c'est l'action, c'est bien parce que de pas passer à l'action, t'es immobile et j'ai l'impression que l'être humain est pas fait pour rester immobile. C'est-à-dire que déjà tu regardes, bon là je rentre un peu dans la science, tout ça, ça c'est mon bac S qui revient de l'époque, mais qu'on le veuille ou non, on est constitué d'atomes. En tout cas, la science s'accorde à dire ça aujourd'hui, hein. On est en mouvement. On est électrons, protons, ça tourne, le noyau central, je crois, de l'atome, les électrons qui tournent. Si on regardait notre corps, je crois, avec des machines qui nous permettent de nous regarder de très près, le corps, il est en vibration, hein, il fait que bouger, bouger, bouger. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, c'est contre nature de pas bouger, en fait, de rien faire. Pour moi, quelqu'un qui bouge plus, il est mort. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui bouge, tu décides pas, t'es mort. Bah, tu tends vers la mort automatiquement, celui qui ne bouge plus. Quand D'ailleurs, tu bloques, hein, tu gangrènes de l'intérieur, quoi. et puis tu accélères physiquement ton vieillissement. On le voit, hein. Il y a déjà des jeunes qui ressemblent à des vieux, tu vois, qui ont une vie de vieux, qui font rien, qui sortent pas, qui voient personne, qui sont pas dans la dynamique, qui sont pas stimulés. Et c'est des gens qui ont un vieillissement qui est accéléré, quoi. Vraiment accéléré, quoi. Donc ça se voit, ouais. Mais effectivement, c'est important de le dire aussi. Aujourd'hui, on le sait, on a les preuves scientifiques qui sont claires, nettes et précises. Tout est vibration. Oui, bien sûr. C'est pour ça que quand tu montes en vibration, alors quand on dit monter en vibration, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire monter en conscience. C'est-à-dire, tout d'un coup, tu montes en conscience, et ben, la même situation, tu ne la vois plus de la même façon. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai. Plus ta vibration est haute et plus tu as une vision d'ensemble, plus tu as une vision et plus ton stress descend, voilà, et plus tu es connecté aux émotions. Tu vas pouvoir avoir des intuitions, tu vas pouvoir, parce que l'intuition c'est aussi lié aux émotions. Ouais, bien Tu vas sûr. pouvoir avoir les mécaniques, tu vas pouvoir comprendre ce qu'il y a en face de toi, tu vas pouvoir avoir un œil critique, voilà, C'est etc. d'ailleurs un vrai sujet, l'intuition dans le trading. Hein. C'est assez tabou. Peu de gens en parlent. Oui. Et à
à manier avec expérience. D'ailleurs, comme quelqu'un qui a de l'expérience dans la gestion émotionnelle, l'intuition, c'est pas fait pour tout. Et d'ailleurs, je pense que l'intuition se développe aussi. Au plus tu montes en conscience, au plus tu as ton intuition qui se développe. Hein. C'est un vrai sujet, l'intuition. Alors, au final, là, une des clés là, pour résumer ce qu'on vient de dire, est-ce que déjà, le passage à l'action est une clé, donc en gros de pas bloquer, tétaniser, bloquer l'émotion, plutôt l'accueillir et essayer de au moins faire quelque chose, quoi. Je sais pas, elle arrive, est-ce que je suis énervé, est-ce qu'il vaut mieux taper dans un mur, quoi, au final, est-ce que c'est très mal de le faire? Moi, je pense qu'il faut l'exprimer, c'est une évidence. Je pense aussi, mais. Il faut être dans l'action, quoi. Je veux dire, si tout d'un coup, tu sens que ça monte et que tu as du mal à le gérer, tu vas faire un footing, tu vas taper dans une balle, tu fais quelque chose, et ça, tout le monde a un peu ce réflexe-là. Mais c'est très important d'être dans l'action. Je veux dire, on peut. Éteindre le PC, ce que tu as dit tout à l'heure. Au final, c'est une action. La bougie, elle monte, ça dip, je coupe le PC, quoi. Mais oui, mais oui. En plus, on sait. Moi, je sais que les anciens disent tout le temps ça. Ils disent tout passe dans la vie. Donc, ne pas oublier que ça passe. Alors, les phases de hausse passeront, les phases de baisse passeront. Donc, on panique pas, on déstresse. Et encore une fois, tout dépend dans quel. Ça, tu le répètes très souvent. À quel niveau vous vous situez? Est-ce que vous êtes trader? Est-ce que vous êtes investisseur long terme? Est-ce que vous faites du swing invest? Tout ça va définir énormément votre regard à ça. Donc, si on est investisseur long terme, moi je suis investisseur long terme, bah, je regarde le PC, mais pas tous les jours, quoi. Je veux dire, c'est pas utile. Donc il faut. Après, enfin, j'écoute ce que tu nous envoies, bien sûr, mais Oui, bien encore sûr. une fois, déconnecter, voilà. Alors, t'es trader, tu fais ça la minute, bien sûr, là tu vas être collé dans le PC, tu vois. Je le fais plus trop en plus, hein, mais. Mais c'est très compliqué parce qu'en plus, là, on va rentrer en bullrun. Il va y avoir une dynamique énergétique, même, tu vois. Pas parler d'énergie, mais dynamique énergétique où il va y avoir YouTube va être inondé de YouTubeurs, voilà, qui viennent d'arriver sur le marché, qui sont soi-disant des experts. Enfin, il va y avoir des milliards de trucs qui vont arriver. Les médias vont commencer à en parler. Et c'est au niveau conscience, enfin, au niveau de tout ce que ça peut créer en nous, ça nous emmène automatiquement à une forme d'excitation et de dynamique à rentrer dans l'action, mais pas forcément dans la bonne action, c'est-à-dire à vendre, à acheter au mauvais moment, tu vois, à ce moment-là. Et ça va nous entraîner à avoir un type de comportement, ouais, qui sera pas forcément bon d'ailleurs, hein. Je pense que quand ça monte très fort, il faut être très très fort au niveau émotionnel, et c'est, à mon avis, les phases les plus difficiles sont les phases de hausse. Oui, ça paraît pas difficile. Ceux qui n'ont pas connu ça, moi je connais beaucoup de gens qui n'ont pas connu ça et qui disent, mais comment aujourd'hui il peut y avoir autant de gens qui sont sous l'eau? Ils n'arrivent pas à comprendre. Tu arrives après la guerre, tu te dis, mais comment? C'est pour ça que les gens sont surconfiants aussi. Et cet effet de surconfiance, ils disent, ouais, mais comment tu peux, sur un marché qui a fait x10, x20, x50, x60 sur des algues, comment? Et pourtant, c'est une réalité, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des. Ouais, et donc du coup là tu vois c'est en parlant, encore une fois c'était pas trop prévu mais je viens d'avoir, même en parlant j'ai deux clés qui sortent pour un peu gérer ou en tout cas accueillir les émotions, c'est un cadre, une structure, au moins avoir réfléchi sur un plan, sur savoir, être conscient entre guillemets, essayer de comprendre que c'est pas nous le plus fort et il va falloir avoir un plan, c'est peut-être pas le bon, la vérité, tout ça, mais c'est mon plan et je dois... avoir mesuré peut-être les risques, hein, le scénario du pire, et le passage à l'action, quoi. Surtout pas, dans tous les cas, quand je suis perdu dans mon plan et que je sais et que au bout d'un moment je me fais dépasser par l'émotion, surtout pas verrouiller, ou surtout pas sortir du plan, quoi, entre guillemets. Après, il y a cette notion de l'intuition quand même qui, des fois, ce que je disais un peu à quelqu'un sur le groupe la dernière fois, que les gens confondent plan. Et obstination aussi. C'est-à-dire que est-ce qu'il faut pas des fois aussi être capable, on a le plan, mais je pense que le plan, on n'y va pas en ligne droite. Le plan de vie, je veux dire, celui qui sait des fois à l'avance les pépins qu'il va avoir dans une vie ou quoi que ce soit, il va falloir, je trouve qu'il va falloir plutôt avoir un plan, mais être perpétuellement dans l'action, tirer conclusion de ce qui nous est arrivé pour pouvoir avoir une autre action derrière, puis tirer conclusion de... Voilà, et être agile, quoi, en mouvement. Donc, le mouvement, le passage à l'action est quand même une direction. Je pense que celui qui
n'a pas du tout de plan ou de cadre, qu'est-ce qu'il fait en fait, quoi? Il est sans arrêt en train de gérer des émotions, mais sans plan, quoi. Est-ce que c'est possible, voilà, une question, est-ce que c'est possible de gérer des émotions si on n'a pas de plan dans la vie? Non, si on n'a pas de plan, on suivra, comme tout est interconnecté, les gens vont suivre. En fait, on a du mal à se rendre compte, mais en fait, on n'est pas du tout original, quoi. On a tous l'impression d'être original parce qu'on est dans une société d'ego. Ah, c'est Et on vrai. dit, ouais, voilà, ouais, moi je suis, moi je Ouais. dis. En fait, tu n'es rien du tout. Tu es la somme de ce qu'il y a autour de toi. Voilà, puisque tout est en interconnexion. Donc, si tu n'as pas de plan, bah, là, tu es vraiment la somme complète de ce qu'il y a autour de toi. Donc, si tu es à côté de gens qui sont bienveillants, tant mieux pour toi. Si tu es à côté de gens malveillants, bah, tu vas te faire arnaquer. Si tu es à côté de gens qui n'y connaissent rien, bah, tu vas aller droit dans le mur, etc. Et d'où l'importance, je disais tout à l'heure, l'importance pour moi de la communauté. La communauté que tu crées, par exemple, est extrêmement importante. C'est-à-dire, dès comme on essaye, là, en tout cas, tu essaies de faire une communauté avec des gens bienveillants, des gens, voilà, avec une tête bien faite, comme tu dis. Non, mais dès qu'on se sent, on peut se sentir à un moment donné un peu perdu au niveau émotionnel, je pense que la communauté, elle est bien aussi pour ça. Tu vois, elle est bien pour juste exprimer, dire, putain, là, je me sens pas bien, voilà, je regrette ma décision, etc. Et rien que le fait de le dire et d'être soutenu par une communauté qui va être bienveillante, va tout de suite te repositionner à des niveaux vibratoires très, très intéressants et tu vas tout de suite te sentir mieux. Et tu vas beaucoup plus accepter ta décision. Hein. Ça, c'est C'est vrai, sûr. l'entourage est important. Oui, la communauté, c'est justement Internet permet d'avoir une communauté de gens sur lequel avec qui tu te sens bien d'ailleurs. Et d'ailleurs, toi, tu fais rentrer des gens parce que dans ta communauté, parce que globalement, ils se sentent bien avec toi. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a une forme de connexion avec toi. Voilà, après, on n'explique pas toutes ces choses-là. Il y a des connexions entre les gens, on n'explique pas vraiment pourquoi. Mais en tout cas, ça marche et on sait que ça fonctionne comme ça. L'être humain fonctionne comme ça, quoi. Après, c'est lié aux émotions, tu vois. C'est marrant parce qu'en fait, on repousse toujours ce côté émotionnel, alors qu'en fait, une décision, c'est toujours émotionnel. Un achat, Bien sûr. c'est émotionnel. Oui, on dit rationnel souvent. On dit rationnel, mais oui, je pense que tu as raison. C'est le mot à la mode un peu qui nous rassure. Oui. Mais en fait, tout est irrationnel. Et en fait, le problème, c'est que ça nous fait peur de quand on conscientise ça dans la profondeur, ça fait peur. C'est vrai. Ça fait peur. Alex, t'allais dire un truc, non? Il y a quelqu'un qui allait parler, non? Ben, Olivier, qu'est-ce que t'en penses de ça? Qu'est-ce que t'en... Parce qu'on... Mais c'est bien, on parle, ouais, moi ça me plaît ce genre de truc. Je veux dire, ça peut paraître perché au premier abord, mais finalement, je suis sûr qu'il y en a plein qui sont intéressés par ça. Je pense que je le publierai quand même. On va en discuter, on va voir ce qu'on fait, mais c'est intéressant quand même. T'en penses quoi, Olivier, de ça? Toi qui as vécu une baisse? Faut un plan, ouais. Pour Ouais. gérer les émotions. Parce que la baisse, j'ai connu que la baisse. Au Ouais. début, bon, après je t'ai rencontré, du coup, le fait d'avoir un plan, c'est plus facile pour gérer. Ça t'impacte moins, c'est ce que tu avais l'air de me dire la dernière fois. Déjà, le fait d'avoir un plan, t'as décroché quand même pas. Donc le plan est quand même important, quoi. La structure. C'est clair. Si t'as pas de plan, c'est clair que tu pars dans tous les sens. Tu ressens quand même un peu là encore quand il y a des hausses et tout, ou vraiment. Ouais, Ouais, c'est vrai que je trouve que c'était pas du tout le même par rapport au début. Ah non, c'est clair, maintenant Ouais. j'ai le truc de passer, le reste, il se passe ce qui se passe. C'est vrai que ouais, au début, bon, peut-être t'étais comme ça au début, mais il me semble qu'au début, c'était plus. J'étais rien au début. Ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment vu le changement, moi, dès que t'as eu le cadre. Hein, dès que t'as eu quand même un cadre. Alors attention, on va pas prendre pour une vérité absolue. Hein, personne a la vérité, je pense. Hein, le bon trader, le bon investisseur. Finalement, c'est pas celui qui a la vérité, c'est celui qui a sa vérité au moment où il décide. Ouais, après, tu disais tout à l'heure, tu as un plan, mais qu'il faut savoir danser avec. Bon, quand c'est la première fois que tu établis ton plan, je pense qu'il faut le suivre à la lettre. Après, avec l'expérience, Oui, bien tu sûr. peux le changer, le modeler Ouais. pour aller un peu Il faut plus pas, loin. je pense, ouais, rester enfermé. Ouais, t'as raison, il faut quand même. C'est pour ça que j'essaie aussi, moi, à l'intérieur du Swing Invest. De systémiser, ouais, parce que si j'attaque directement par la fin, c'est-à-dire qu'au final, il faut développer un œil capable de réagir à tout moment,
Les novices me disent, ouais, mais la structure de départ, elle est où quand même, quoi? Donc c'est pour ça que j'en suis venu à intégrer un peu quand même du Fibonacci, même si j'utilise pas des indicateurs. Un schéma type swing invest avec le retracement, la prise des equal low pour essayer de. Mais j'ai toujours quand même ouvert ce scope à. Il n'y a pas de vérité. Qui a la vérité? S'il y avait une vérité, ben en fait, il y a plus jeu à somme nulle, quoi, s'il y a une vérité. Ça part comme ça en bulle spéculative, comme ce que faisait le Bitcoin au début. Hein. Ça part en ligne droite, hein. Et puis au bout d'un moment, c'est un peu le Ponzi où tout le monde se regarde, qui va vendre en premier, quoi. Et dès qu'il y en a un qui vend, ben le château de cartes, il s'effondre. Donc, ouais, non, c'est hyper intéressant. Je suis désolé, j'ai bu beaucoup d'eau, je fais juste une petite pause. Hein. Je vous laisse juste débattre 2 minutes, hein, et je reviens. Je reviens, excusez-moi. Un peu aussi, moi, tiens. Non, Alex, peut-être que t'as. Peut-être qu'Alex, t'es. Je te sens philosophe ce soir. ça, c'est une petite idée. À froid comme ça. Non, mais c'était intéressant ce que disait Ben là. Moi, je pense qu'effectivement, avoir un plan, c'est juste que Ça aide. ça nous déstresse et ça nous permet justement. D'avoir une bonne gestion émotionnelle et d'avancer voilà, avec sérénité. Et quand on avance avec sérénité, on prend les bonnes décisions. On prend les bonnes décisions d'achat ou de vente. Exactement. Et on n'est pas balayé dans ce va-et-vient permanent qu'on a sur les marchés financiers, mais qui sont intrinsèques aux marchés financiers, puisque c'est comme ça que les gros ramassent l'argent des petits. Voilà. C'est un peu triste à dire, mais c'est la vérité. Et savoir suivre ton plan aussi. Oui, Parce bien que sûr. moi qui ai vécu une hausse et une baisse, je dirais, et en étant rentré dans la baisse, quand je prenais des profits, on me prenait pour un fou, quoi. C'est là quand tu rentres le soir, tu te dis quand même, ouais, mais ça te fait poser des questions. Et c'est très très compliqué. Bien sûr, bien sûr. Et c'est pour Quand tu as ça tout d'où le monde qui est l'importance de la euphorique. communauté. Je trouve que la communauté est bien parce que même s'il y a ne serait-ce que 2-3 personnes qui font comme toi, déjà tu te dis bon, je suis peut-être fou, mais je suis pas le seul. C'est ça. Mais oui, mais de toute façon, les grandes fortunes se font toujours à rebours de la masse, quoi. Mais c'est parfois difficile à gérer au niveau émotionnel par rapport à son entourage ou même par rapport à soi-même. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi, Alex. C'est quoi Par le. rapport à moi-même. Ouais. Mais c'est que comme on me disait que quand on sortait un petit peu, que c'est aussi dur, même quand tu t'es fait ton plan de sortie et que tu le respectes et que tu en parles à des tierces personnes. Et quand tu sors en pleine boule pour prendre quelques profits, on te prend pour un fou, quoi. Il vaut mieux souvent, j'ai l'impression d'être. Il vaut mieux souvent sur ces sujets en tout cas et même moi bon moi j'irai sur plein d'autres sujets mais après c'est la frontière entre la folie celui qui t'enferme parce qu'il pense pas comme les autres et finalement tu vois moi ça me fait penser au film Vol au-dessus d'un nid de coucou quoi avec Nicholson non pas Nicholson quoi si non c'est Hopkins je sais plus c'est Hopkins ou Nicholson non c'est Nicholson je crois Tu sais, quand tu penses un peu différemment de la masse, des fois tu te fais enfermer, quoi. T'es fou. Si le consensus a décidé que t'étais le seul fou, ben, c'est assez dur, ça aussi, hein. Qu'est-ce que ça veut dire être fou, quoi, au final? Et c'est vrai que des fois, j'ai remarqué en investissement et en trading, bien souvent, il vaut mieux être le seul con qui est contre les autres. Attention, il faut pas non plus, quand c'est bullish, bon, ouais. C'est pour ça qu'il faut quand même un cadre. Hein. Tout est relatif. Je veux dire, il faut pas juste, si ça monte et que c'est haussier, que t'es le seul qui dit non, c'est baissier, non. Mais des fois, il vaut mieux être bien souvent être le seul qui prend des profits et que tout le monde rigole autour de toi. Quand on en arrive à ce consensus-là, c'est que souvent, c'est que c'est pas vraiment trop tard pour les prendre, quoi, ou trop tôt. Et inversement, quand t'es le seul qui commence à dire que peut-être on n'ira pas à 10, 12 000, hein, parce que il y a toutes les raisons d'y aller et que le risque récompense de. En fait, là, on a mis un sujet, c'est marrant, je vais vous le dire, hein. J'ai pas pris trop de risques à faire ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je dis oui, je vous le disais, peut-être qu'à ce moment-là, mais au final, c'était hyper facile. Les gens, ils voient ça comme
Comme purée, ouais, qu'est-ce qu'il est bon, il est un des seuls à prendre ce risque-là. Mais ce que voient pas les gens, c'est que j'ai pas pris du tout de risque à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est le risk-reward était facile. Le risk-reward jouait avec moi. J'avais très peu de risques et beaucoup de rewards possibles à dire ça à ce moment-là. Pourquoi? Parce que finalement, je disais simplement aux gens que oui, on ira peut-être à 10-12 000, mais la carte à jouer de dire ça valait pas du tout le coup d'attendre. C'est-à-dire que attendre et prendre le risque d'y aller, je trouve que je sais pas, ben, j'arrive plus trop à l'exprimer là ce soir, mais c'était facile de poser cette carte. Je trouve que c'était beaucoup plus risqué de jouer la carte d'attendre des 10-12 000, si tu comprends la structure long terme, plutôt que de te dire oui, qu'est-ce que je risque? Retourner à 10-12 000, on est à combien? 16-17, ça fait quoi? 25%. On a déjà perdu combien? 85. 80. Est-ce que je suis à 25% près? Et juste ce processus de décision, si en plus tu crois au crypto, tout ça, tu te dis, moi j'arrive, là, sincèrement, j'arrive pas à comprendre les gens qui attendaient encore là. Ou qui ne serait-ce que se disaient pas, effectivement, attends, pire, il m'arrive quoi? 10-12 000, hein? Je vais garder un peu de liquidité et je mettrai la sauce quand on ira, à la limite. Hein. Mais est-ce que ça vaut le coup, à tout prix, de passer à côté des 16-17 à cette époque-là et de pas mettre un peu de billes aux alentours des 20 000. Je pense que ça vient aussi, ça c'est un sujet peut-être de gestion émotionnelle, je pense que ça vient aussi que les gens détestent avoir tort. Ils veulent avoir raison en fait. Alors que le but, j'ai l'impression que c'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, en fait, c'est pas, j'ai l'impression, j'en suis persuadé. Le but c'est de prendre des décisions en conscience. Le but c'est pas d'avoir raison ou tort quoi. Tu vois, il y a l'ego qui rentre aussi. Est-ce que les émotions, finalement, elles ne sont pas directement liées à l'ego aussi? À la peur du rejet, à vouloir avoir raison, à pas passer pour un con devant les autres, à dire moi je l'avais vu, moi je suis fort. Est-ce qu'au final, le but, c'est d'être fort? Ça renvoie à toute la liste des peurs, les peurs majeures qu'on a, effectivement, peur du rejet, peur de la mort, peur de plein de choses. Voilà, toutes les grosses peurs que l'être humain a, ça renvoie à tout ça. Et tant qu'on ne les a pas brûlées à l'intérieur de nous, eh ben, elles nous guident. Elles nous guident. Et c'est même pire que ça, c'est que les gens, alors après, chacun a sa vision là-dessus, mais on est dirigé de cette façon-là, automatiquement, je veux dire, même à petite échelle, hein, je veux dire, à l'école, on nous dit si tu fais pas ça, tu n'auras pas ci. C'est pareil. On est déjà en train de nous travailler comme ça. Dans le monde professionnel, c'est pareil. En politique, c'est pareil. Et bien sûr, sur les marchés financiers aussi. Enfin, y a aucune raison que ce soit différent. Et c'est même parfois poussé à l'extrême, quoi. Donc, si on n'essaye pas de maîtriser ça à l'intérieur de nous-mêmes, on aura les mêmes réflexes que tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Et je pense, pour rebondir à ce que tu dis, je pense que les gens sont tellement dans l'idée de vouloir bien faire, mais c'est intériorisé chez eux, qu'ils veulent en fait réussir à choper le bottom et à vendre au top. En fait, c'est un espèce de fantasme qu'il y a. Et pourquoi d'après toi? Pourquoi on cherche tout ça? Parce J'ai pas que réfléchi à la question, hein, franchement. ils Hein. ont à la fois peut-être envie de dire aux autres qu'ils ont réussi à choper le bottom. C'est encore, à mon avis, de l'ego, comme tu dis. Tu vois. Moi, j'ai eu le bottom. Tu vois. Et toi, tu l'as pas eu, toi, machin. Et je vendrai au top. Mais en fait, c'est quand on fait vraiment de l'investissement, c'est pas du tout l'objectif. C'est pas ça l'objectif. C'est pas comme ça qu'il faut regarder les choses, quoi. C'est quasiment impossible. Juste ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a toujours le bottom de quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. C'est vrai, hein. Non, mais c'est Oui, vrai. parce que si t'achètes, il y en a un qui vend, hein. Voilà. Donc, Mais je moi, pense que peu ça. importe où tu rentres, hein. Dans un marché, peu importe où tu rentres, au bout d'un moment, Oui. tu sens que voilà, t'es rentré et c'est toujours une bonne période. Ça dépend de ta longueur de temps, enfin, ta vision, si elle est plus long terme, ainsi de suite. Mais Ouais, c'est pas un mauvais endroit. c'est vrai, hein. Ouais, c'est. Ça explique le décalage, voilà, où les gens qui attendent forcément encore le plus bas tout le temps, tu vois, qui sont toujours dans cette stratégie sans arrêt. Je pense que c'est lié à ça. Je pense que c'est lié à ça. Et est-ce qu'au final, on n'en a pas besoin finalement qu'il y en ait beaucoup qui sachent pas gérer la gestion émotionnelle pour que marché soit? Est-ce que c'est le monde des bisounours ou est-ce que c'est plutôt la sélection naturelle, quoi?
Alors après, ça, c'est un grand sujet, mais moi, je pense que la société, de façon générale, se porterait beaucoup mieux si on avait tous une gestion émotionnelle optimale. Parce qu'en fait, tu regardes, par exemple, les grandes avancées scientifiques se font quand la conscience du peuple est suffisamment haute. Par exemple, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est prouvé mathématiquement, scientifiquement, à plus de 15 chiffres après la virgule. Bon, moi, j'ai fait des études de maths, etc. J'adore ça. C'est prouvé que la vie est vibratoire. Oui, mais ça, bien sûr. C'est prouvé, mais là, aujourd'hui, c'est prouvé, surprouvé. Enfin, c'est impressionnant. Mais aujourd'hui, qui vit sous cet angle-là? Très peu. Très peu, tu vois. Donc, c'est vraiment une histoire d'acceptation. Et quand la masse va accepter ça, la société va faire un bond. Oui. Et un bond, c'est un bond de conscience, donc de connaissance. C'est-à-dire que la société va évoluer énormément, quoi. Et le fait de rester, de maintenir des gens dans un niveau plus bas de conscience fait que nos sociétés avancent très, très lentement. Voilà. Et qu'on reste toujours dans ce même mécanique, dans ce même mécanisme de je gagne de l'argent, j'ai l'impression d'être en sécurité. Enfin, tu vois, ça ramène plein de sujets, en fait, tout ça. J'ai l'impression d'être en sécurité, que oui, heureusement, je sais, le marché fonctionne comme ça, il y a des gens qui n'ont pas conscience, et comme moi, j'ai un peu plus conscience, je vais prendre leur argent, etc. Mais en fait, on maintient cette mécanique-là, en ayant cette posture-là. Après, j'ai pas de réponse, hein. Je pense pas que les gens ont tort ou raison, hein. Moi, je vois par contre au plus le marché, au plus les gens montent en conscience là, au plus le marché devient technique. C'est-à-dire qu'au début, c'était un truc de singe. Quand je dis un truc de singe, c'est on partait à 300 $, on explosait en bulle à 6 000 et ça s'effondrait. Donc en fait, il y avait ceux qui gagnaient et ceux qui se faisaient éclater, entre guillemets. Mais dans l'ensemble, si t'étais pas trop con, tu pouvais quand même arriver à tirer ton épingle du jeu, quoi. Sur, bon, mais bon, à part ceux qui sont pas arrivés, c'est pas une insulte à ceux qui sont pas arrivés. Mais au plus ça va aller, au plus j'ai l'impression quand même que ça va être et ça s'institutionnalise en plus. Il y a les institutions qui arrivent. Je veux dire, c'est largement pourquoi les marchés américains, le forex, tout ça, c'est beaucoup plus technique et c'est plus dur de tirer entre guillemets à court terme des profits. Ben parce que c'est le QI, il est beau, enfin le QI, je m'en fous du QI, mais on n'est pas dans la basse-cour, quoi. Alors que dans les cryptos, je trouve qu'il y a quand même encore son épingle du jeu à tirer, parce que c'est finalement, même si on dit que c'est difficile, c'est assez facile dès lors qu'on va monter en conscience. De surperformer les autres. Voilà. Et ça, il y en a qui veulent pas ça les touche à leur ego, mais c'est pas vrai. Enfin, je suis désolé, aujourd'hui, c'est les plus malins qui gagnent. Parce que c'est ceux qui ont compris ça, qui essaient d'arrêter de suivre du copy trading, qui cherchent des hacks tout prêts, tout facilement. Et ceux qui arrivent, finalement, le level va monter, par contre. Ça, c'est sûr. Avec des gros qui arrivent, des BlackRock, des tout ça. Et il va falloir, ça sera plus facile, hein. On gagnera plus. Mais je pense qu'en fait, c'est une clé, la gestion émotionnelle, ou au moins de comprendre ou se poser ces questions-là. Essayer de se dire à quel point je peux m'améliorer, à quel point mesurer que le sujet qu'on est en train quand même de traiter là, il est hyper important pour le reste, pour la performance. Alors que malheureusement, j'ai vraiment l'impression que les gens encore en sont beaucoup dans notre milieu à chercher trois indicateurs, à dupliquer un modèle et ils pensent que c'est comme ça que ça va bien se passer, quoi. Alors que quand on discute quand même avec des gens qui sont traders, qui sont dans la finance, tout ça, indéniablement, tous ils te disent qu'ils suivent des formations de préparation mentale, etc. parce que c'est hyper important. C'est 80% du travail en fait. Et 80, si c'est pas plus, j'en sais rien, j'ai pas le chiffre exact, mais. Et je trouve que là, on arrive à un risque-récompense de se poser la question de travailler cette facette-là, qui vaut le coup, parce qu'il commence à y avoir un éveil quand même, les gens s'intéressent à tout ce qui est. Personne n'en parle, mais on le voit que je crois que dans les vidéos regardées, les livres achetés, les gens adorent le développement personnel au final. En secret, les gens s'intéressent à ce genre de choses-là. Mais Mais j'ai. tu rentres
crypto, des choses comme ça, quand tu regardes, alors ils n'en parlent pas comme ça en direct, je suis d'accord avec toi, mais ils font des bains avec des glaçons, ils font de la méditation, ils font tous ça. Tous, 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 Bien tous. Ils sont sûr. même plus sans passer. Ils font de la muscu, ils sont accros à des trucs comme ça, tu vois, de libération émotionnelle, pour rester focus, voilà, justement, et puis éliminer le stress. Beaucoup de gens aussi, tu sais, qui brassent des millions, ils n'en peuvent plus, quoi. Tu vois, la journée, des fois, en fin de journée, ils deviennent cinglés, quoi. Donc, ils ont besoin d'évacuer ce stress pour retrouver un niveau de conscience et de prise de décision propre, tu vois. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, ouais, je vois pas en fait le. T'as que à y gagner. Je vois pas en fait pourquoi les gens ne veulent pas envisager ce sujet, mais pas l'envisager juste pour en discuter. Vraiment, tu sais, peut-être soi-même au début, un jour se poser vraiment des questions. Après, tu rentres dans l'antichambre de toi, hein, t'as peut-être pas envie de te les poser des fois, hein, mais. Je pense qu'il y a ça aussi, et c'est un sujet pour moi. Faut pas que ça devienne une discussion de comptoir. Là, je suis d'accord avec toi, parce que moi, ça m'est arrivé, hein, d'en parler comme ça, librement, un peu plus de façon un peu plus précise, parce qu'on me pose des questions très précises. Bah aujourd'hui, j'ai arrêté parce que je sais que ça sert à rien. Mais les gens écoutent, mais ne font rien derrière. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure. Il faut mettre des actions derrière. Il faut modifier des choses. Il faut modifier les habitudes. Il faut modifier les comportements. À l'intérieur de soi-même, à l'extérieur aussi. Et c'est ça qui vont faire que ton intuition va s'aiguiser, que ta capacité à gérer tes émotions va être plus forte, que tu vas les écouter et que tu vas surtout t'en servir pour une prise de décision. Alors je sais que ça, c'est difficile à concevoir parce que on a tendance à vouloir justement rationaliser ça parce qu'on a peur. On se dit, ah oh là, mais là, je me suis laissé. D'ailleurs, il y a des expressions comme ça, je me suis laissé emporter à mes émotions. Comme si c'était pas bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'ai écouté à quelqu'un et je me suis laissé emporter. Alors, gérer ces émotions et les écouter, c'est parfois plusieurs mois, plusieurs années de travail, hein. C'est pas quelque chose qui vient comme ça. C'est pas, voilà, une pochette surprise. Tu fais deux, trois trucs et puis voilà, hein. Non, 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 c'est plus long que ça. Pourquoi? Parce qu'on a enfermé nos émotions depuis des années, des dizaines d'années. Et c'est presque inclus aussi de génération en génération. Tu regardes nos parents aussi, c'était, voilà, ou nos grands-parents, c'était, voilà, tu lâches rien, quoi, tu vois. Tu lâches rien. C'est Tu vois, clair. mon père qui a fait la guerre, il n'en a jamais parlé, quoi, tu vois, le mec, il lâche rien, quoi. Il en est sûrement mort, d'ailleurs, tu vois, il est mort d'un cancer, parce qu'il avait Non, peur. mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et aujourd'hui, c'est relié aussi. Alors moi, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, on l'a de plus en plus aussi, relié vraiment à la notion de santé, quoi. De santé physique. Et moi, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai passé à travers ça. Mais c'est aussi un sujet important, se dire aussi, je me mets sur les marchés financiers, je souhaite gagner de l'argent, mais déjà pourquoi faire? Ça, c'est une question importante. Et si je suis pas en bonne santé, à quoi ça sert que comment je vais en profiter, tu vois? Quel est l'intérêt en fait de faire ça? Bien sûr. Le sujet de l'argent, c'est ce que tu disais au tout début, c'est un sujet extrêmement important. Ouais, j'en parle souvent de ça. C'est bien de finir riche, mais si c'est pour finir détruit à la fin d'un bull market, c'est pour ça que la gestion du risque et des émotions, elle est hyper importante. Exactement. Aucun intérêt. Ou tout d'un coup, tu te retrouves riche et puis après, tu as des comportements déviants, tu fais n'importe quoi, ça sert à quoi? C'est pour ça que je dis que la lignée, c'est pas de chercher à faire le x50. Tu vois, les gens, ils s'entêtent. Parce que ce que se rend pas compte ces gens-là, c'est qu'il y en a déjà très peu qui gagnent avec ces stratégies-là. On voit que ceux qui réussissent à avoir joué un Shiba Inu et l'avoir tenu, je dis pas, m'en fous, ceux qui veulent acheter du Shiba Inu, il le fait. Si c'est bullish, il peut l'acheter. Mais avoir voulu tenir le x50, le x100, attention, si c'est dans la gestion d'un portefeuille, un seul ou deux altcoins et que le risque est maîtrisé parce que ça pèse que 10, 5% du portefeuille ou 3, 4 au début, ok. Mais par contre, vouloir miser. Ce qui me dit, j'ai pas beaucoup d'argent, Benjamin, j'ai 4 000 euros, 2 000, je mets tapis où? Mais non, mais tu te rends pas compte le pic émotionnel que tu vas prendre quand tu vas passer et tu te réveilles le lendemain, t'as perdu 50 000 euros dans la nuit, quoi, ou 100 000, ou même plus des fois, hein, quand ça dépend du capital. Et en fait, déjà, il n'y en a pas beaucoup qui survivent à ça. Il y en a 2% qui vont, c'est des success stories, et on voit que ça sur les réseaux, et ceux qui sont dépressifs après, on les voit pas. Et en plus de ça, même celui qui a gagné, il y a souvent des penchants, souvent
ça fait la bringue, l'hygiène de vie est pas terrible, quoi, parce que il y a eu des chocs émotionnels pendant ce bull run. Alors oui, t'es plein de pognon, mais s'il te reste 5 ou 10 ans à vivre, c'est dommage, quoi, si t'as 30 ans, quoi. Tu vois, c'est. Non, mais c'est sérieux, c'est un vrai problème. C'est dérangeant ce que je dis là, mais il faut trouver quand même un équilibre entre santé mentale, physique et argent. Parce que si c'est pour en avoir plein et 10 ans après partir, qu'est-ce qu'on écrira, quoi, sur ta tombe, quoi. Acheter du Shiba Inu, il a fait x100 et a pris de la cocaïne pendant 5 ans parce qu'il savait plus où il campait.